Je m'appelle Virginie Baumann, j'ai 30 ans et je suis entrepreneur depuis un petit peu plus d'une année. J'ai de multiples activités, je suis tout d'abord la créatrice d'un podcast, Instant Cactus, et la cofondatrice de deux entités, Sisenco d'une part, une marque de prêt-à-porter féminin, et Colis d'autre part, une solution d'emballage réutilisable pour le e-commerce. Je pense qu'il y a plusieurs qualités nécessaires pour être entrepreneur. Tout d'abord, un enthousiasme à toute épreuve, je pense que c'est absolument nécessaire, qui va de pair avec une forme de persévérance et puis d'endurance aussi pour tenir dans la durée. Je pense qu'il faut beaucoup de polyvalence aussi. Quand on est entrepreneur, on fait plein de choses. Il y a beaucoup de tâches qui sortent clairement de notre champ de compétences. Je dis souvent en plaisantant que quand on est entrepreneur, on est un peu la déesse Shiva à 8 bras, donc un peu de juridique, un peu d'admin, un peu de marketing, un peu de graphisme et j'en passe. Aujourd'hui, c'est pour moi le succès d'être là où je dois être, c'est-à-dire à ma place. Je pense que c'est un ressenti viscéral de dire je suis au bon endroit, au bon moment. Et je pense que c'est aussi, si je regarde en arrière dans 40, 50 ans ou même dans 5 ans, de me dire j'ai fait le chemin que je devais faire. Je pense qu'à contrario, l'échec au sens très personnel de rater sa vie, ce serait d'être passé à côté de qui j'aurais pu être si je m'en étais pas donné les moyens. J'aime bien l'expression en anglais qui dit « don't settle for less ». Donc que ce soit pour votre vie professionnelle, vos ambitions entrepreneuriales, vos relations, même qu'elles soient amoureuses ou amicales, ne vous contentez pas de peu. Ça semble peut-être un petit peu trivial, mais la vie est courte, on n'en a qu'une, donc prenez le pouvoir et vivez la vôtre.